Retour sur une décision de justice rendue aux États-Unis. Un juge de Seattle a condamné ce mardi le spinalien Sébastien Raoult à 3 ans de prison pour cybercriminalité et une amende de 5 millions de dollars. Cette peine est un soulagement pour son père qui était présent à l'audience et qui s'est battu avec un collectif depuis le début pour défendre son fils. Sébastien Raoult, avec d'autres complices hackers, était accusé d'avoir piraté les données informatiques d'une 60aine d'entreprises, dont Microsoft, menaçant de les vendre sur le dark web. Le jeune homme recherché par Interpol avait été arrêté en mai 2022 au Maroc, puis extradé en janvier aux États-Unis. Il encourait jusqu'à 116 années de prison, mais en plaidant coupable, cela lui a permis d'obtenir une forte réduction de peine. Ayant déjà effectué plusieurs mois de détention, le Vosgien pourrait être de retour en France d'ici la fin 2024, ce qu'espère son père Paul Raoult, qui souligne toutefois son amertume vis-à-vis de l'État français qui, selon lui, a été défaillant dans ce dossier. Justice.